sur ma chaîne. Aujourd'hui, je reviens pour l'ouverture d'un colis. J'ai commandé quelques nouveautés sur le site Plastimea. Vous savez, c'est un site où je prends tous mes soins au niveau de mon vernis semi-permanent. Si j'y pense, je vous mettrai des vidéos là, de mes poses, enfin de tout ce qui concerne le site donc Plastimea au niveau de mon vernis semi-permanent. Donc j'ai décidé de passer une commande et rester jusqu'à la fin. Vous avez une surprise bien évidemment pour vous remercier de votre fidélité, vous remercier de votre confiance et vous remercier aussi pour toutes celles qui ont aussi validé leur participation sur le site Plastimea, parce que en fait lors de mes crash tests de ma brosse, vous savez la brosse rose, si j'y pense je vous la remettrai là, de mon eau de rose que j'aime beaucoup, et puis la lampe UV, la lampe LED et leur vernis, et vous avez énormément de choses sur ce site là. Allez voir, vous avez pour les ongles, pour les cheveux, pour les dents, pour le corps, pour le visage, vous avez plein de choses. Pour celles qui sont passionnées de vernis, vous avez même certains vernis, je ne me souviens plus de la marque, mais je sais qu'il y a ici, je me demande s'il n'y a pas Shana Glaze, il y a bien sûr le vernis semi-permanent, vous avez des petits brillants, enfin vous avez énormément de choses. Ensuite pareil, vous avez quelques petites palettes, vous avez des nutriments des compléments alimentaires, vous avez des crèmes de jour, vous avez plein de choses. Donc pour moi, ce site c'est une découverte là. En plus de ça, j'aime beaucoup la relation que je peux avoir avec eux au niveau de la communication. Les produits, je vais vous présenter là, je les ai achetés, sauf 3 produits compléments alimentaires, où ils m'ont demandé si je voulais tester. Ben, je me suis dit oui, pourquoi pas. De toute façon, à chaque fois, je vous dis. Et par contre, bien évidemment, la surprise à la fin, ça vient bien sûr de moi pour vous remercier de ce que je vous ai dit en début de cette vidéo. Alors, j'ai voulu, suite donc à la proposition de Hervé, merci beaucoup Hervé, parce que ça a été très difficile dans l'arrivage du colis. En fait, pardon, on me proposait des compléments alimentaires et ça tombait bien parce que justement, comme je commençais le secret du poids, vous avez aussi ma vidéo en ligne où elle va venir en ligne, je voulais aussi nettoyer de l'intérieur, surtout mon foie, mon côlon, parce que vous savez que, évidemment, l'accumulation de mauvais sucres au niveau même des fibres, ça je ne le tiens pas de moi, hein, c'est mon gastro-entérologue, pardon, quand j'ai fait une coloscopie, qui m'expliquait que tout ce qui n'est pas spécialement digéré par l'intestin se colle aux parois et ça s'enflamme. Voilà. Donc là, quand Hervé est venu me demander si je voulais tester et qu'est-ce que je voulais tester, je me suis dit, ben oui, pourquoi pas. Vraiment super. Au niveau de la communication, pareil. Comme Apolline, ils m'ont même pas donné un ordre de prix ou quoi que ce soit, ils m'ont demandé qu'est-ce que tu veux tester. Donc du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas, parce qu'on est plusieurs femmes à vouloir aussi prendre soin de soi intérieurement et extérieurement. Donc je me suis dit, on va tester les compléments bio, les complexes bio, les compléments alimentaires. Donc dans un premier temps, j'ai voulu tester l'artichaut, radis noir et le curcuma, dont vous retrouvez tout sur le site Plastimea. Donc je n'ai pas encore testé, vous savez que j'étais malade, donc je ne veux pas tout mélanger au niveau des médocs et tout ça, même si c'est du naturel. Je vous en reparlerai parce que j'ai demandé à Hervé comment les utiliser parce qu'on ne mélange pas tout, donc il m'a donné un petit truc. Donc au pire, si j'y pense, je vous le mettrai en barre d'infos pour celles qui veulent déjà commander. Donc là, c'est le premier complément alimentaire, artichaut, radis noir, curcuma. Heureusement qu'ils ont gélule parce que j'ai déjà testé ça en ampoule. Oh, c'est horrible. Premier complément. Ensuite, deuxième complément, c'est de l'aloe vera bio, donc complément alimentaire. Donc ça, j'en ai déjà pris quand je faisais à l'époque des produits Forever. Je prenais beaucoup d'aloe vera et c'est vrai que c'est un détoxifiant et au niveau du transit, ça régule et ça nettoie bien. Donc il se présente comme ceci. Et le troisième complément, c'est le colon cleaner, complément alimentaire. Voilà, il y a aussi apparemment de l'aloe vera dedans. Donc,
Voilà pour ce partenariat. Donc, merci beaucoup à Hervé, c'est arrivé à domicile parce que les transporteurs, hein, ils nous ont fait des gags. Ensuite, moi, j'ai commandé, vous savez, en ce moment, je suis à fond dans ça, j'espère que ça va durer. Eh bien, j'ai fait un peu comme tout le monde, j'avais envie d'une bouteille pour infuser des fruits, une bouteille détox, qui se présente comme ceci. Donc, on va retrouver en vert, en rouge et en jaune. Elle se présente comme ça, c'est une bouteille qui est en plastique. Vous allez dévisser. À l'intérieur, on va mettre, ça se dévisse, nos fruits. On revisse et vous allez mettre de l'eau et laisser la nuit infuser ou la journée comme vous voulez. Donc l'ouverture elle se présente comme ça. Donc hop, voilà. Je me suis dit pourquoi pas. En plus on peut mettre ça au frigo, emmener ça partout, pique-nique. Enfin voilà, si vous mettez des fraises, de l'eau de fraise ou ananas. Moi j'ai envie d'essayer ananas. qu'est-ce que je voulais essayer? Orange pamplemousse. Parce que j'ai ça comme fruit et j'avais envie d'essayer. Donc je me suis dit pourquoi pas. On teste, hein, après il y a qu'en testant qu'on peut savoir si c'est bien ou pas. Donc voilà. Ensuite, hein, toujours en restant dans le côté un peu prendre soin de soi, j'ai déjà entendu parler, mais jamais testé, d'une crème anticellulite microactif qui se présente comme ceci de la marque Roc. Donc si vous avez déjà testé, dites-moi ce que vous en pensez. Donc normalement, le premier jour, on devrait s'apercevoir que la peau est lisse et douce. Le 14e jour, on constate une amélioration de la peau d'orange. Et au 28e jour, une diminution du volume, ça s'affine. Donc, je reste quand même sceptique, mais pourquoi pas, à tester, on va voir. Et en complémentarité, j'ai voulu prendre suite à une vidéo de Sabrina The French Way, je crois, qui a fait, je trouve, une bonne vidéo par rapport à ça, où elle expliquait, de toute façon, c'est tout mécanique, parce que, oui, il y a trois couches de peau, et même la crème, la Roc, elle ne va pas aller désincruster la graisse. C'est superficiel, l'aspect visuel est lisse. Bon, ça, on le sait. Donc, en fait, elle parlait qu'elle utilisait beaucoup... donc là ça, elle s'appelle Méacel, beaucoup cette petite chose là, je ne sais même plus comment on dit, avec une huile, donc il y avait les deux, hein, ils se vendaient ensemble. Donc là c'est une huile de corps fleur d'oranger. Je vais sentir, j'ai pas senti, j'ai déballé du carton, mais ça sent le bébé, ça sent bon. Donc bien évidemment elle expliquait qu'il fallait commencer la chouille et puis remonter. Donc déjà pour que j'ai le coup de main pour faire ça, il va peut-être neiger. Hein, donc peut-être qu'à Noël, j'y arriverai. Donc on verra. Donc c'était en plus enveloppé dans un petit pochon comme ça. Donc c'est sympa, ça ne traîne pas partout. Et puis voilà. Ensuite, j'ai recommandé là pour mes ongles le top coat et le primer. Pour celles qui ne savent pas, je vous ai dit que je vous mettrai des vidéos. Je vous laisse aller découvrir. Quand vous achetez un kit sur le site Plastimea, que ce soit avec la lampe LED ou la lampe UV, quelle est la différence? Je vous laisse aller regarder mes vidéos. Donc vous avez le primer à mettre une fois que vous avez passé un petit coup de ponçage et cleaner sur vos ongles pour faire tenir votre vernis. Et vous avez le top coat. Donc c'est des produits qu'il faut bien évidemment racheter. J'ai racheté aussi le dissolvant comme ceci. Et j'ai repris ces petites éponges là. Alors j'en avais commandé sur AliExpress je crois, mais je les aime moins. Celle-ci, la première, je ne sais plus quand est-ce que j'ai commandé mes kits sur le site Plastimea, mais elles commencent juste à se terminer. Elles font très, très, très longtemps et elles n'abîment vraiment pas l'ongle. En fait, pour être honnête avec vous, et ça, il ne faut pas se leurrer, hein, c'est pas du gel au niveau ongles, c'est du vernis semi-permanent, parce que vous êtes nombreuses à me dire, est-ce que tu as les ongles abîmés? Alors, je vais avoir les ongles un peu mous, et là, effectivement, oui, ils peuvent se casser, parce que là, il y a quand même plusieurs couches, donc ça les protège. Mais abîmer,
Non, parce que quand je retire mon vernis, je fais extrêmement attention, j'y vais pas comme une brutos. Et il me semble bien que je vous ai fait une vidéo comment je retire mon vernis en plus de ça. Vous avez soit la solution avec les papillotes, soit vous avez la solution où moi j'ai acheté des petits bacs où je fais tremper mes ongles. Mais ce qu'il faut, c'est enlever la première couche de brillant, parce qu'en fait c'est une couche qui est très épaisse, vraiment la poncer, et ensuite mettre le dissolvant et y aller doucement. Il y en a qui préconisent de l'enlever au bâton de buis pour que ça abîme moins les ongles, mais moi ça m'agace, mais ça c'est moi, ça m'agace, donc j'ai une lime, une espèce en fer, mais je fais très attention. Et une fois que j'ai fini, je me lave les mains, je me reponce un peu, et là j'hydrate à fond, l'huile à cuticule, la crème nourrissante, tout ça. Sachant que dans mon travail comme là, ils sont déjà longs, je vous l'avais dit, je les avais coupés, ils ont énormément poussé. En fait, ils redeviennent, même s'ils sont mous, je les recoupe. Donc voilà, après c'est vrai, je ne vais pas vous mentir, ça va quand même. Si vous en faites en plus régulièrement, vous ramollir quand même vos ongles, ce qui est normal parce qu'il y a plusieurs couches. Mais en tout cas, moi j'en suis contente. Alors j'en fais pas tout le temps. C'est ça aussi, c'est pour ça que mes ongles ne sont pas abîmés, c'est que je fais vraiment des pauses. Vous avez aussi l'alternative avec la vidéo que je vous ai faite, si j'y pense, je vous la remets là aussi, au niveau de rimmel, qui est pas mal aussi au niveau du top coat. Voilà, alors pour finir, pour vous remercier vraiment de votre fidélité et de m'avoir fait confiance, même par rapport à ce site là, où j'en suis contente et je fais des petites découvertes. Il y a des choses qui m'ont plu, d'autres moins, comme un sérum pour les yeux où j'ai pas vu de différence, où je vous l'avais montré en direct. Mais en tout cas, la brosse, moi c'est la découverte. D'ailleurs, il faut que je fasse ma vidéo découverte. J'avais dit que je la ferais mi-année et juin, c'est mi-année. Ou cette brosse-là, chez Sephora, vaut plus de 189 € et sur le site, elle vaut même pas 20 € et elle est vraiment topissime. J'adore cette brosse-là et j'adore au niveau de tout ce qui concerne le vernis semi-permanent. Donc là, j'ai décidé de tester d'autres choses. Et je remercie aussi le site par rapport à leur communication où vraiment, comme là, j'ai eu des soucis quand Hervé m'a proposé Nutrimea, de me faire tester des produits compléments alimentaires et que le transporteur, on ne sait pas ce qu'il a fait, ça a duré pas mal de temps et on a fini par avoir les produits et voilà, donc il y a vraiment un bon échange. Alors, pour vous remercier à mon tour, et donc là c'est moi avec mes petits sous, j'ai décidé de vous prendre la lampe UV carrément, où vous pouvez rentrer votre main ou votre pied, ce que vous voulez. Donc voilà, je l'ouvre pas et vous avez avec tout pour vous faire votre première manicure. Ouais, c'est Noël. Donc voilà, je suis vraiment contente. Donc il y aura une gagnante bien évidemment. Donc vous avez mon email, c'est dineconcours@gmail.com. Vous m'envoyez un email avec votre adresse et comme d'hab, je ferai un tirage au sort et toutes les conditions, bien évidemment, seront en barre d'infos. Mais pour moi, c'est un coup de cœur ce produit-là, donc je me suis dit, je vais aussi vous en faire profiter. J'aurai plusieurs à vous faire profiter, je le ferai. Alors je ne dis pas que je ne le referai pas peut-être dans le temps de vous refaire encore un petit truc comme ça, on va dire. En tout cas, je vous remercie énormément de me faire confiance, de tout ce que vous m'apportez. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.